Il y a plus de 100, il y a plus de 130 personnes qui sont connectées avec nous, de France, du Canada, de Belgique, d'Allemagne, États-Unis, Guadeloupe, Martinique, Suisse, Côte d'Ivoire, Italie, Réunion, Maurice, Émirats Arabes Unis, Turquie, Madagascar, Gabon, Bénin, Sénégal, enfin bref, d'un peu partout. Mais il y en a aussi du Québec, il y en a à Gatineau, à Longueuil, on les salue. On salue, bon, il y a toute une liste en France aussi. On salue ceux qui sont à Rimouski, à Montréal, à Saint-Hyacinthe, à Montréal encore, à Repentigny, Drummondville, Montréal, Québec, Drummondville, Montréal. Et la tempête de neige les a peut-être empêchés de sortir ce matin et ils sont devant leur écran. Mais en tout cas, on vous salue et on est content que vous soyez avec nous sur Internet. Et évidemment, on pense à nos frères et sœurs de Berthierville qui, chaque dimanche, sont avec nous et nous suivent. Et on prie pour eux et on prie pour que l'Église de la parole vivante aille de progrès en progrès. On veut voir cette Église grandir. Nous sommes toujours dans cette série intitulée « Laissez-moi vous parler de Jésus ». Et dans ce « Laissez-moi vous parler de Jésus », aujourd'hui, le titre de la prédication, c'est « Hosanna ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression « Hosanna » ? Finalement, vous parlez plus hébreu que vous ne le pensez. Hosanna, c'est en hébreu. Et Hosanna, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, pour moi, c'est du chinois. Non, c'est de l'hébreu. Hosanna, ça veut dire « viens, sauve ». Et on connaît cette expression particulièrement dans ce moment où Jésus arrive à Jérusalem et la foule crie, s'écrie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Mais avant qu'il puisse y avoir cette scène de joie, de liesse, cette scène où la foule reçoit Jésus comme le roi qui entre à Jérusalem, ça a pris des préparatifs. Éric nous parlait de mariage, et ça prend des préparatifs pour ce mariage. Et là aussi, dans cette histoire, ça prend des préparatifs. Ça, ce n'est pas fait comme ça. Il a fallu veiller à trouver une monture pour cette entrée triomphale à Jérusalem. Alors, ça se passe dans Matthieu, chapitre 21, et je vous invite à tourner avec moi dans votre Bible. Matthieu, chapitre 21, et on va lire les premiers versets de ce chapitre. Matthieu 21. Vous avez trouvé? Il y en a qui disent, j'ai pas une Bible, j'ai un iPod. Est-ce que ça le fait? Si c'est le même texte, ça le fait. Et puis un Android, bon, on veut bien, allez, si vous voulez. On y va. Matthieu 21, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et lorsqu'ils furent donc arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par le prophète, « Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Alors, ça se passe ainsi, Jésus est avec ses disciples, et Jésus en appelle deux en particulier, on n'a pas leur nom ici, mais Jésus leur dit, « J'ai une mission à vous confier. » Alors, les deux disciples se sont peut-être sentis, « Waouh, le Seigneur me demande à moi. » Il n'a pas choisi l'autre, il a choisi moi. Et ces deux disciples se sentent donc honorés. Le Seigneur a quelque chose à leur demander. Ils se disent, « Ben, Seigneur, tu nous as choisis, t'en fais pas, on va accomplir notre mission. » Et Jésus dit, « Bon, ben voilà votre mission. » Vous allez au village et puis là, vous allez trouver une ânesse avec un ânon. Vous allez les détacher et vous me les amenez. Waouh !
A priori, comme ça, il n'y a rien de difficile. A priori, comme ça, il n'y a rien de dangereux. Il s'agit juste d'aller au village, de défaire un nœud, de prendre une corde et de revenir vers Jésus. Oui, mais que pourrait dire le propriétaire? Bon, c'est comme si je vous disais, écoutez, vous allez à Saint-Nicéphore, à telle adresse, vous allez trouver deux Harley Davidson dans la cour. Vous les prenez et vous me les ramenez. Ouais. Et que dirait le propriétaire? Vous comprenez qu'un âne, une ânesse, un ânon, c'est prometteur, ça vaut de l'argent, on ne va pas les laisser partir. Mais Jésus les met, Jésus devance leurs questions en disant « si quelqu'un vous dit quelque chose ». Et les disciples se sont dit « si quelqu'un, c'est sûr que quelqu'un va dire quelque chose ». qui ne vont pas laisser partir comme ça une ânesse et son ânon. Et Jésus dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, c'est au verset 3, eh bien vous répondrez simplement, le Seigneur en a besoin. Matthieu 21, 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez simplement, le Seigneur en a besoin. Et là, les disciples se sont peut-être dit, je ne sais pas si la réponse va suffire. Quelqu'un dit, mais pourquoi tu prends l'ânesse? Pourquoi tu prends l'ânon? Tu répondras simplement, le Seigneur en a besoin. Ouais. Est-ce que ça suffirait simplement? Et puis Jésus dit, et vous n'aurez pas de trouble, ils vous laisseront aller. Il faut faire confiance au Seigneur pour obéir à de tels ordres. Jésus leur fait la promesse, Jésus leur donne la garantie, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Et si on vous fait du trouble, si on vous dit, mais arrêtez là, de quel droit est-ce que vous prenez cette ânesse et son petit? Vous répondrez, le Seigneur nous a dit de le faire, il en a besoin. Et Jésus dit, il ne vous arrivera rien, tout se passera bien. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience où le Seigneur vous demande quelque chose, ça vous fait peur, vous avez peur des conséquences, vous avez peur du trouble, mais le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Et le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, j'ai la situation sous contrôle, il ne t'arrivera rien, ça paraît fou, ce n'est pas naturel, mais quand le Seigneur dit, ça se passera bien, lui, il sait de quoi il parle. La preuve, les disciples sont allés au village, les disciples ont fait ce que Jésus leur a demandé, et quand on lit la suite du récit, on ne voit pas deux disciples en prison, on ne voit pas deux disciples les bras cassés et les jambes cassées, et on voit deux disciples qui ont accompli leur mission et tout s'est bien passé, exactement comme Jésus l'avait dit. Quelqu'un dira, oui, mais pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples d'aller chercher une ânesse et son petit, et même quelqu'un dira, d'aller voler, emprunter? Ce n'est pas vraiment voler, puisque le propriétaire dira, hey, qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur en a besoin. Puis il dit, bon, ok. Donc, il est d'accord avec ça, puisqu'il les laisse partir. Mais pourquoi Jésus fait-il ainsi? Parce qu'il y avait une prophétie, parce qu'il y avait une promesse, parce que Jésus sait des choses que les disciples ont oubliées. Et vous savez, des fois, le Seigneur nous demande quelque chose et on ne comprend pas pourquoi, mais lui, il a un plan qui est plus général, plus grand que notre vision, il sait. Et non seulement il sait, mais c'était écrit des siècles auparavant. Et Matthieu nous dit que c'était pour que s'accomplisse la parole que le prophète avait annoncée. Et cette parole du prophète, on la retrouve dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, voilà ce qui est écrit. « Sois transporté d'allégresse, en d'autres termes, réjouis-toi, sois rempli de joie, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et le prophète Zacharie avait annoncé ces choses comme la venue d'un roi qui vient à Jérusalem, d'un roi qui est victorieux, d'un roi qui est juste, d'un roi qui est humble
Et d'un roi qui est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et c'est afin que s'accomplisse cette prophétie que Jésus a donné un ordre à ses deux disciples-là. Et si la prophétie peut s'accomplir, s'est accomplie ce jour-là, c'est parce qu'il y en a deux qui ont obéi aux instructions du Seigneur. Ils n'ont pas dit, non, Seigneur, que c'est trop difficile, envoie deux autres. Non, non, ils ont dit, Seigneur nous demande quelque chose. On ne comprend pas toujours tout. Et pour être franc, est-ce que vous comprenez tout de ce qui est écrit dans la Bible? On ne comprend pas toujours tout. Mais le Seigneur attend de nous qu'on soit obéissant. Et qu'on puisse dire avec soumission, avec vérité, de dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais je te fais confiance. Et peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui paraissent bizarres par rapport à la société dans laquelle nous vivons. La société dans laquelle nous vivons a des principes radicalement différents de ceux de la Bible. On a parlé de la famille, par exemple, tout à l'heure, du couple et de la famille. Et vous comprenez qu'il y a des principes dans la Bible que le monde n'a pas et qui peuvent paraître bizarres et étranges. Comment ça? Il faut être marié pour vivre avec quelqu'un? Ça ne se fait plus, ça. C'était au Moyen Âge. Non? Non, non. Le Seigneur est clair concernant le mariage, concernant l'engagement, concernant la pureté. Et même si aujourd'hui, ça semble difficile à comprendre, et peut-être que certains jeunes disent, je ne comprends pas pourquoi, c'est quoi le but? Eh bien, comme ces deux-là, obéis simplement. Peut-être qu'un jour, tu comprendras que quand on construit son couple sur des bases qui sont saines, eh bien, ça dure plus longtemps, c'est solide et c'est inébranlable. Si dès le départ, tu construis sur le jeu, le mensonge, les plaisirs ou je ne sais quoi encore, eh bien, tu construis quelque chose de fragile qui risque de s'écrouler. Mais en tout cas, le Seigneur met en garde. Obéis simplement. Il y a peut-être d'autres choses dans la Bible que tu ne comprends pas, que ce soit concernant la fidélité financière. Je ne comprends pas ce qu'est cette affaire, ou que ce soit concernant tel ou tel principe de la parole de Dieu, tel commandement que le Seigneur nous a donné. Obéis. On a toujours, quand le Seigneur dit ça se passera bien, ça se passera bien. Et il y a un plan derrière que peut-être on ne voit pas, mais qu'un jour on réalisera. Les deux disciples, quand Jésus leur a dit d'aller chercher l'ânesse et l'ânon, n'ont peut-être pas compris ce qui se passait, mais je suis sûr que quelques semaines, mois, années ou jours plus tard, ils se sont dit « Ah, c'était pour ça !» Et ils se sont souvenus de Zacharie, chapitre 9, verset 9. C'est un roi qui rentre à Jérusalem sur le petit d'une ânesse et on a bien fait d'obéir à ce qu'il nous a dit. Dans Jean, le premier miracle de Jésus, ça commence par l'obéissance aussi. La mère de Jésus avait dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et parce que les serviteurs vont faire tout ce que Jésus dit, alors un miracle va prendre place. Et aujourd'hui encore, si tu veux voir un miracle dans ta vie, si tu veux voir des choses grandes, belles et extraordinaires, commence par le commencement. Fais tout ce qu'il te dira. Il ne peut pas y avoir de hosanna s'il n'y a pas l'obéissance au départ. Il ne peut pas y avoir un roi qui rentre avec gloire, puissance, autorité et que la foule l'acclame comme étant celui qui vient au nom du Seigneur s'il n'y en a pas deux qui obéissent et qui font ce que le Seigneur leur demande, va dans le village chercher ce dont j'ai besoin. Obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, rappelle le Seigneur à ses prophètes et à son peuple. Et l'obéissance, aujourd'hui, le Seigneur attend de nous que nous obéissions. Nous nous déclarons enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Est-ce qu'on est des enfants obéissants? Ah non, un enfant, c'est fini ça, l'époque où les enfants obéissaient à leurs parents. Maintenant, les enfants font ce qu'ils veulent. Écoutez le docteur Spock. Et est-ce qu'on est des enfants obéissants? Si notre père nous demande, est-ce qu'on dit oui? Ou est-ce qu'on dit, hé,
Je fais ce que je veux, je suis grand. On est qui devant Dieu? Pour dire à Dieu ce qui est bien de faire lorsqu'il nous dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Et comprenez que quand on connaît Dieu, on sait qu'il n'est pas un tyran, qu'il n'est pas un père indigne, mais qu'il est celui qui nous aime. Et quand il nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. C'est jamais pour lui, pour ses intérêts à lui, c'est pour les nôtres. En tant que parent, combien de fois avez-vous dit à vos enfants, ne joue pas avec les allumettes, ne fais pas ceci, et l'enfant dit, je suis brimé. Je veux faire de la chimie, je ne peux pas. Je veux faire des expériences pour voir si c'est possible de voler du 15e étage avec un cerf-volant dans le dos, mes parents ne veulent pas. Je suis brimé, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas m'épanouir. Si les parents disent aux enfants, fais pas ça, dans bien des cas, c'est pour le bien de l'enfant, mais l'enfant ne le comprend pas. Comprenez que nous sommes bien petits devant Dieu et qu'il y a des choses qu'on ne comprend peut-être pas. Mais ça vaut la peine d'obéir et de faire confiance à Dieu. Il est celui qui nous aime. On arrive au deuxième point. Parce qu'il y a eu l'obéissance, il peut y avoir maintenant l'accomplissement de la prophétie. Parce qu'il y a l'obéissance, maintenant, ce qui avait été annoncé, ce qui avait été promis d'avance, peut s'accomplir. Le roi de gloire peut faire son entrée. Alors, on est dans Matthieu, chapitre 21, et on est au verset 6 maintenant. « Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. » Ils font, ils obéissent et ils vont faire ce qui leur a été ordonné. « Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. » Et là, on ne nous dit même pas s'il y a eu des problèmes en route. Il ne s'est rien passé. Peut-être que quelqu'un a demandé, peut-être que personne n'a demandé, mais en tout cas, ce n'est pas ça le point. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et si Jésus peut maintenant être dans l'accomplissement de ce que le prophète Zacharie avait annoncé comme étant un roi qui rentre à Jérusalem, un roi juste, un roi victorieux, un roi humble, c'est parce qu'il y a eu l'obéissance et maintenant il y a l'accomplissement. Et de la même manière, si nous voulons voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie, il faut obéir. Et de cette obéissance dépend l'accomplissement. Et il n'y a pas de court-circuit là. On ne peut pas dire, moi je veux voir ces choses s'accomplir, je veux voir l'étape 2, mais je ne passe pas par l'étape 1. Pour aller à l'étape 2, tu passes par l'étape 1. Sinon, tu risques de te retrouver à avoir monté un meuble IKEA, à avoir des boulons en trop à la fin, et puis quand on pose un livre dessus, ça s'effondre. Non, non, il faut passer par l'étape 1 pour aller à l'étape 2. Une autre histoire, c'est dans celle du livre des Rois. Deux Rois, chapitre 4, verset 1er. Vous connaissez peut-être cette histoire. C'est une femme qui va voir son mari était prophète, et elle va voir Élisée, et elle dit à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Cette femme est veuve, et non seulement elle est dans le deuil et du veuvage, mais elle dit, « Tu sais que ton serviteur craignait les... » d'huile. Elle dit, j'ai pas grand-chose chez moi. Voyez-vous, le prophète dit pas, je vais tout te donner, tu n'as rien à faire. Il commence à partir de ce que toi tu as et de ce que toi tu peux faire. Et cette femme dit, je peux pas faire grand-chose, j'ai pas grand-chose, j'ai juste un vase d'huile. Alors, le prophète dit,
au verset 3. Voisin, et il insiste, pas deux, pas trois, pas un petit nombre. Va demander le plus de vases possible que tu peux à tes voisins. Et cette femme réfléchit, et cette femme dit, c'est quoi l'affaire? J'ai rien, et on me demande d'aller chercher des vases vides. Et le prophète explique en disant, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu Et quand on a un vase de 100 millilitres et qu'on le verse dans 10 vases de 100 millilitres, on ne peut pas mettre plus que ce qu'on a. C'est quoi l'affaire? Et le prophète dit, tu as un vase avec un peu de contenant et avec ça, tu vas remplir tous les vases vides que tu auras trouvés et pas un peu, mais beaucoup. Ce n'est pas logique. Je ne sais pas vous, comment vous auriez réagi. Ça ne marche pas. Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école primaire, qu'on faisait ces calculs, il y avait toujours des problèmes où il fallait dire si le robinet coule à tant de centimètres cubes par heure et qu'on a un bidon qui fait 10 litres, en combien de temps le bidon sera plein? Non, vous ne vous souvenez pas de ces problèmes-là ou si on divise entre... Bon. Elle a fait ses calculs, elle dit « ça ne marche pas, je ne peux pas remplir tous ces vases avec juste mon vase. » On transfère, on passe d'un vase à l'autre, mais ça n'en fait pas plus. Mais le prophète dit « ça va marcher. Wow. » Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire la parole de Dieu, c'est croire ce que Dieu nous dit, même si ça dépasse notre intelligence, même si ça dépasse notre entendement. Par définition, le miracle, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Par définition, le miracle, ce n'est pas des choses qu'on est capable de concevoir intellectuellement, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais c'est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Il s'agit de croire ce que Dieu nous dit. Alors, c'est ce que va faire cette femme au verset 5, elle quitta le prophète, elle ferma la porte sur elle et ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent... J'étais allé chercher plus de vases. J'en aurais rempli encore plus. Est-ce que ça se pourrait que dans notre vie chrétienne, on arrive à ce point-là de dire, mais est-ce que ça veut dire que si j'avais eu plus de foi, si j'en avais fait plus, si j'étais allé chercher plus de vaches chez mes voisins, le Seigneur m'aurait béni davantage? Et que quelque part ici, j'ai selon la mesure de ma foi. Est-ce que ce n'est pas une parole que Jésus dit souvent? Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous, on croit que Dieu va nous donner, et il va nous donner, c'est lui qui choisit combien. Et Dieu dit, c'est toi qui choisis combien. Il dit, ah, ça veut dire que si j'ai un peu, c'est moi qui dis au Seigneur, juste un peu, Seigneur. Vous savez, des fois, comme quand on est poli, hein, quand on est invité chez quelqu'un, on dit, la personne nous dit, tu vois, oh, je ne peux pas vous déranger, juste un petit morceau. Si tu veux un petit morceau, tu as un petit morceau, hein. Une fois, il y a quelqu'un qui était invité comme ça, puis il y avait un gros morceau, il y avait un gâteau, puis il y avait un gros morceau de gâteau, puis il y avait un petit morceau de gâteau. Et puis on tend le plat, puis la personne prend le gros morceau. Puis son ami lui dit, ça ne se fait pas. Hein. Pourquoi tu prends le gros morceau? Quand on est poli, on prend le petit morceau et on laisse le gros morceau aux autres. Et cet ami dit, bon, si toi, tu avais dû choisir, tu aurais pris quel morceau? Le petit. Ben, tu l'as. Mais quand le Seigneur nous demande,
prends, sers-toi. Est-ce qu'on dit, Seigneur, je veux prendre juste un peu de ton amour, juste un peu de ta bénédiction. Le Seigneur est prêt à nous donner beaucoup. Et cette femme, il n'y avait pas de limite. Autant de vases que tu as, autant tu en auras. Et le prophète lui avait dit, va chercher des vases et pas un petit nombre. Et elle a, selon sa foi. Et aujourd'hui, ça marche ainsi encore. Quand nous croyons à ce que le Seigneur nous demande, quand nous mettons en pratique et nous croyons que ce qu'il nous demande va s'accomplir, eh bien, nous voyons l'accomplissement à la hauteur de ce que nous croyons, à la hauteur de ce que nous préparons. Ces deux hommes sont allés chercher l'ânesse et son ânon et ont vu l'accomplissement parce qu'ils ont cru. Cette femme voit l'accomplissement et la bénédiction parce qu'elle croit que obéir et mettre en pratique ce que le prophète lui dit, eh bien, amène le miracle. Et aujourd'hui, ce n'est pas plus compliqué. Si nous voulons voir de grandes choses, croyons pour de grandes choses, mais agissons en conséquence. Un jeune couple qui se marie, ils disent, vous voulez beaucoup d'enfants? Ah oui, nous, on veut 10 enfants. Vous avez quoi comme voiture? Une Smart. Vous êtes sûr que vous voulez 10 enfants? Commence déjà par prendre une voiture en conséquence, mais un couple qui anticipe pour avoir un enfant, vous avez remarqué que des fois, il prépare la chambre avant même. Hein? On dit, ça va être la chambre du petit. Et puis là, on prépare, et puis on s'attend à. Mais avec les choses de Dieu, c'est pareil. Si on croit que Dieu est celui qui nous bénit, ben, il faut préparer de la place pour cette bénédiction-là. Et il faut s'y attendre. Si on croit que Dieu est celui qui veut accomplir sa parole dans nos vies, eh bien, il faut agir en conséquence. Alors, le dernier point, c'est celui du résultat. C'est quoi le résultat? Il y en a, j'ai mis quoi? Oui, là, il y a des médailles. Certains ont travaillé fort, se sont préparés. Il y a les Jeux Olympiques qui s'en viennent bientôt. Et en résultat, il peut y avoir une médaille. Mais regardez ce qui se passe ici. Le résultat est bon pour certains et décevant pour d'autres. Il n'y a pas eu le résultat escompté. Matthieu 21:9. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Christ. Qui vient, et en disant ce Hosanna, on dit « Viens, sauve, viens, délivre-nous, tu es le Messie promis, nous avons besoin de délivrance, il y a des choses qui ne marchent pas dans notre pays, viens guérir ce pays, viens nous donner la victoire sur nos ennemis, Hosanna, viens, sauve. » Maintenant, tout de suite, on a besoin de toi. Et quand Jésus rentre dans Jérusalem, on est au verset 10, quand Jésus rentre dans Jérusalem, la foule est émue, enfin le roi promis arrive, et selon l'accomplissement de la prophétie, et la foule est émue, et l'on disait, mais qui est-il? On voulait savoir, est-ce que c'est vraiment lui, le roi qui avait été annoncé par les prophètes? Est-ce que c'est vraiment lui, le Messie? Qui est celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète. En d'autres termes, un homme de Dieu. C'est lui, cet homme de Dieu de Nazareth en Galilée. Et le verset 12 a dû en décevoir plus d'un. Juste après, Jésus rentre comme étant le roi qui vient. Il rentre comme étant le prophète, l'homme de Dieu. Il rentre dans cette ville et on dit « Viens, sauve !» Et Jésus vient et il chasse du monde. On dit « Attends, on appelle Jésus pour sauver ?» Et Jésus rentre dans le temple de Dieu,
Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » On dit à Jésus, « Viens à Jérusalem, rentre, on l'accueille comme le roi. » On dit, « Viens, sauve. » Et la première chose que Jésus fait, c'est du ménage. Parce que quand on dit à Jésus, « Viens, sauve », il faut accepter que Jésus fasse le ménage aussi. Et si tu dis dans ta vie, « Seigneur, viens dans ma vie, sauve, délivre, donne la victoire dans ma vie », est-ce que tu es prêt à ce que Jésus chasse ce qui n'est pas à sa place dans son temple, dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à ce que Jésus fasse un peu de ménage? Est-ce qu'il y a dans ta vie des choses qui ne sont pas à sa place? Est-ce qu'il y a des choses que tu voles à Dieu? Une caverne de voleurs? Ta vie devrait être autre chose. Tu avais comme une destinée, une prophétie. Dieu avait quelque chose pour toi. Il y avait quelque chose que ta vie, là, le Seigneur s'attendait à ce que ta vie produise un certain fruit. Mais il y a des voleurs qui ont pris la place. Il y a des squatteurs qui ont pris la place. Alors Jésus commence par chasser ce qui n'est pas à sa place dans le temple. Si tu dis à Jésus ce matin, « Viens, sauve. J'ai soif de délivrance, de victoire, de gloire. Je veux que tu sauves dans ma vie. » Attends-toi aussi à ce que Jésus prenne un fouet et à ce qu'il chasse. Parce qu'il n'y a pas la place pour deux rois dans ta maison. Si tu dis à Jésus, c'est toi le roi, Hosanna, celui qui est assis sur le petit d'une ânesse, celui qui rentre comme le roi à Jérusalem, eh bien, il n'y a pas la place pour que quelqu'un d'autre règne. On ne peut pas servir deux maîtres. Si tu dis à Jésus, je veux que ce soit toi le roi, eh bien, laisse-le chasser l'imposteur. Et ce qui prend la place qui n'est pas la sienne. Jésus rentre dans le temple, chasse, mais Jésus guérit aussi. Au verset 14, il est dit que des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez spécial quand même dans ce verset, si vous faites attention, parce que des aveugles et des boiteux, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le temple, mais ils sont là pareil. Ils sont prêts à enfreindre les règles pour venir à Jésus. Et Jésus ne dit pas, ce n'est pas votre place d'être ici, vous. Il chasse les vendeurs, il chasse les marchands en disant, ce n'est pas votre place ici. Mais le système religieux empêchait ces gens-là de rentrer dans le temple et Jésus ne leur dit pas, ce n'est pas votre place. Jésus les guérit. Il n'est pas en train de dire le règlement n'était pas bon. Il dit, on va faire en sorte que le règlement marche. Les boiteux n'ont pas le droit d'être dans le temple. Bon, on va faire en sorte que tu sois plus boiteux, comme ça, il n'y aura plus de problème. C'est ça. Hein? Plutôt que de changer le règlement en disant, décidément, on a décidé maintenant que les boiteux seraient autorisés à rentrer dans le temple. Il dit, on va garder ça, mais on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de boiteux. Ce n'est pas plus mal. Hein? Et Jésus les guérit. Il guérit les boiteux, il guérit les aveugles. Mais les chefs religieux, ça ne fait pas leur affaire. Les chefs religieux, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses. Dites-moi, si vous voyez des choses merveilleuses, ça va vous indigner? Jésus fait des choses merveilleuses. Il guérit des aveugles. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Mais les chefs religieux sont indignés en disant, « Hey, il a chassé nos vendeurs, ça rapportait de l'argent, cette affaire. » Et ils sont indignés parce qu'il y a des enfants qui prient dans le temple, « Hosanna, au fils de David. » Il y a des enfants qui prient dans le temple, « Hosanna. » La ville entière a crié, « Hosanna, quand Jésus est rentré assis sur le petit d'une ânesse. » Bon, ça n'avait pas l'air de choquer personne. Mais là, dans le temple, les hommes religieux, ils ne disent pas « Hosanna ». Les hommes religieux ne disent pas « Viens, sauve ». Eux, ils n'ont pas besoin de salut. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Leur religion leur suffit. Et vous comprenez ce matin que
Je ne suis pas en train de parler contre telle ou telle religion, mais contre un principe, un système. Un système de religiosité où finalement on est tellement bien dans sa religion que Jésus n'a plus de place. La religion, c'est pas Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le roi des rois, c'est celui qui veut être un ami avec toi, qui veut être un sauveur, te conduire, qui veut te parler et te diriger. Et les principaux, les chefs religieux, les principaux sacrificateurs sont indignés, mais les enfants croient simplement et disent avec foi encore, « Viens, sauve, fils de David. » Et on fait des reproches à Jésus en disant, « Mais entends-tu ce qu'ils disent? C'est scandaleux! Jésus, tu laisses faire ça? Entends-tu ce qu'ils disent ?» Et Jésus leur répondit, « Oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles ?» Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. À cause de l'indignation des chefs religieux, Jésus quitte la ville. Tout le monde a accueilli Jésus en ville avec « Viens, sauve », et ils étaient tout contents que Jésus vienne. Mais il y en a, ça ne fait pas leur affaire. Et Jésus doit quitter la ville, alors qu'on l'a accueilli et que la foule entière l'a accueilli. Quelle sera ta réponse vis-à-vis de Jésus aujourd'hui? Alors que nous disons, laisse-moi te parler de Jésus, est-ce que tu vas crier comme la foule tout entière, viens, sauve, oui Jésus, on t'accueille, oui Jésus, viens dans ma vie, oui Jésus, secours-moi, oui Jésus, délivre-moi, oui Jésus, bénis-moi, oui Jésus, sauve-moi. Mais quand Jésus va dire, ok, mais il y a des choses, il va falloir que ça change. Oh, c'est obligé que ça change, Seigneur. J'aime bien mes mauvaises habitudes. J'aime bien mes petites choses là qui sont pas. Tu dis que c'est pas correct, mais moi j'aime ça. Et Jésus dit non, ça il faut que ça sorte, il faut que ça parte, il faut que ça change. Et des hommes religieux vont dire mais moi j'ai mes habitudes, j'ai ma religion. Là ça vient trop me bousculer ces affaires. Mais Jésus bouscule. Jésus renverse les tables des changeurs et puis des marchands. Et Jésus dit, la maison de Dieu, le temple de Dieu, ça doit être autre chose. Quelle sera ta réponse? Si on lit Hébreux chapitre 3, verset 15, on peut aller directement dans la Bible en français courant. Il est dit, ainsi il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous étiez révolté contre lui. Est-ce que ça se pourrait qu'aujourd'hui, tu entendes la voix de Dieu, quelle sera ta réponse? N'endurcissez pas vos cœurs. Ne refusez pas de comprendre comme étant en révolte. Vous allez dire, oui, mais là, le temple. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes le temple. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes, que vous le vouliez ou non, le temple de Dieu. » Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? Est-ce que c'est Dieu qui est présent dans ce temple? Un temple, par définition, c'est une maison, c'est la maison de Dieu, mais c'est là pour honorer et glorifier celui pour lequel on construit le temple. Et le temple de Dieu, ta vie, ça doit être un temple qui honore et glorifie Dieu. Et le Saint-Esprit habite en toi. Maintenant, s'il y a des vendeurs, des échangeurs, des trafiquants, des voleurs, il faut que ça sorte, il faut que ça parte. Si tu dis à Jésus, viens, sauve, il faut être prêt à ce qu'il chasse les voleurs du temple. J'arrive à la conclusion. Et dans la conclusion, si on va dans Jacques, chapitre 4, verset 3, les musiciens peuvent s'approcher aussi. Jacques, chapitre 4, verset 3. Voilà ce que l'apôtre Jacques dit, et la conclusion est simple. Il dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. » Waouh. Quand on demande à Jésus, viens, sauve, est-ce que nos intentions sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Est-ce qu'on est prêt à ce que Jésus fasse du ménage ou alors est-ce qu'on veut juste tout gaspiller
pour notre plaisir et chercher simplement notre intérêt. Verset 4, « Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous. » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Et Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous. Dieu dit, il y a quelque chose en toi qui doit rendre gloire à Dieu et l'honorer, et ne laisse pas des voleurs, des trafiquants, des vices, des passions, des mauvaises choses, les plaisirs du monde et une mauvaise amitié corrompre le bien que Dieu a mis en toi. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Si tu résistes, si tu dis non, moi je n'ai pas besoin de ça, Dieu s'oppose, Dieu résiste, mais il traite les humbles. Et n'oubliez pas qu'un des qualificatifs du roi qui rentre à Jérusalem, dans Zacharie 9:9, c'est humble. Le verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur. » Et il vous élèvera. Alors si nous disons ce matin « Hosanna », si nous disons ce matin « Viens, sauve », on comprend que pour que le « Hosanna » prenne place, ça commence par une obéissance. Le Seigneur donne des ordres d'aller chercher le petit d'Unanès et les disciples obéissent. Et quand on obéit, on voit l'accomplissement. Commence déjà par obéir à ce que le Seigneur te demande, obéir à ce que la parole de Dieu dit. Obéir, non pas à ce qu'un homme ou une religion est en train de dire. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis obéir à ce qui est écrit là-dedans. Et tu sais, au fond de toi-même, qu'il y a des choses qui sont vraies et qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Et tu as toutes les raisons du monde, les prétextes et les défaites et je ne sais pas quoi pour dire « Ah, mais moi, j'ai mes raisons. » Mais pour voir la gloire de Dieu, ça commence par l'obéissance. Obéis. Et ensuite, on voit la réalisation et le résultat. Si tu dis à Jésus, « Hosanna, viens, sauve », il faut que tu lui donnes la permission aussi de changer ta vie, de chasser les choses mauvaises de ta vie, même si ça doit se faire avec du fracas. Mais le résultat, c'est que tu fais de la place pour Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire plus de place pour Dieu dans ta vie, à laisser de côté des choses que tu aimes peut-être, des choses que tu diras, « Oh, c'est pas méchant, c'est toi qui le dis ». Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, viens, sauve. Toi, tu sais s'il y a des choses qui doivent être ôtées de ma vie. Et le Seigneur veut le faire avec amour. C'est pour toi, c'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce qu'il veut que ta vie ait du sens devant Dieu. Qui va te dire, il y a ça et ça qui ne marche pas. Vous êtes appelés à être le temple du Saint-Esprit. On prie ensemble. Il est bon, Seigneur, d'être dans ta présence ce matin encore. Et nous disons, Hosanna. Nous disons, viens, sauve. Nous disons, viens, délie, viens, transforme, viens bénir encore dans ce lieu. Et nous disons, Seigneur, pour voir ces choses s'accomplir, nous voulons faire tout ce que tu nous demandes. Nous voulons obéir à ta parole, mettre en pratique ta parole. Et lorsque nous disons, viens, sauve, nous voulons simplement te donner l'autorisation de chasser les choses qui ne sont pas à sa place. De chasser les vendeurs du temple, ceux qui échangent, ceux qui trafiquent, ceux qui mentent, ceux qui trichent. De chasser ces choses mauvaises et de dire, prends toute la place qui te revient. Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Tu connais celui qui ce matin, du plus profond de son cœur, dire, Seigneur, je ne veux pas endurcir mon cœur, j'entends ta voix m'appeler ce matin. Je ne veux pas résister, je ne veux pas m'enorgueillir, je veux avec humilité me repentir et dire, j'ai besoin de salut. J'ai besoin de délivrance. Seigneur, je ne suis pas sûr d'être capable de chasser moi-même ce qui n'est pas à sa place dans ma vie. Seigneur, chasse-le,
aide-moi, délivre-moi, viens, sauve. Seigneur est celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous croyons que tu le fais ce matin encore, ici, dans nos vies.